Bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous? Si vous allez bien, bien c'est extraordinaire. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous sur cette vidéo, activez la cloche et en cliquant sur ce banner. Vous aurez tout simplement accès à notre page d'accueil où vous verrez Yanks Rebond 2, Yanks Rebond 3, Yanks TV. Abonnez-vous pour nous soutenir sur nos trois autres chaînes. Il y a beaucoup de choses qui se disent sur l'enlèvement. Même la vidéo précédente, le tombeau puissant précédent a dit long sur le sujet. Et nous avons envie de voir un peu ce qui se présente, c'est comment les gens se préparent à cela. Et nous allons juste vous montrer quelques images qui nous feront même penser même que la fin du monde et le temps de l'enlèvement de l'église, c'est demain, même peut-être même dans quelques heures. Regardez ça. Waouh! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ha! Où est-ce qu'on se trouve? On se trouve dans un grand pays. Vous connaissez les noms. Et les gens ont fait un montage pour nous montrer comment sera la fin du monde, comment ces choses vont se produire, que va-t-il se passer, toutes ces choses, et c'est le résultat que vous voyez là. On voit toute la ville, sous l'eau, et on voit ce grand monument là qui est en train de disparaître. Parce que ce jour-là est un mauvais jour. Un jour qui vient pour tout dévaster. Et on voit de l'eau. Mais pourquoi y a-t-il inondation ici? Ça a l'impression qu'il y a une inondation. L'eau est venue et était de tout détruire. Mais ce qui a été dit dans la parole de Dieu, c'est qu'on nous a dit que Dieu ne va plus détruire la terre par l'eau, mais par le feu. Vous avez compris ça? Et c'est là qu'on parle de l'enfer tout le temps. Et ce sont des choses traumatise beaucoup les gens. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on nous a dit qu'il y aura des signes qui vont précéder l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ, parce que oui, le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Regardez ça. Waouh! Que voyez-vous? Quand vous pouvez le voir, ça, ce sont des signes. Cette boule est censée représenter une planète. Et de l'autre côté ici, on se rend compte que c'est la Lune. La Lune qui est devenue carrément toute rouge, au point où on ne peut plus voir la lumière du jour. Parce que la Lune est restée là depuis la journée ne vient pas. La nuit dure trop. Et vous voyez que là, ce sont les ténèbres. Les ténèbres sont là. Au point où on peut même toucher les ténèbres, on peut même toucher les ténèbres. Et même les humains qui sont là, ils voient une lune qui est devenue comme du sang. Parce que toutes ces choses ont été dites dans la parole de Dieu et dans la Bible. Vous pouvez bien lire le Nouveau Testament. Le Seigneur Christ a annoncé tout ça. On dit la lune va se transformer en sang. Et le soleil deviendra très sombre, même plus sombre que sombre. Regardez ça. C'est vraiment inquiétant. Regardez encore ça. Même le loup se cherche. Les gens vont dire, oh, c'est le temps du loup-garou, c'est son temps. Le loup-garou va apparaître parce que la lune est venue toute rouge. Aïe. Ça n'a rien à voir avec cette histoire de loup-garou. Qu'on nous montre mais la plupart du temps dans les films, ça n'a quasiment rien à voir. C'est tout simplement un mauvais jour, un mauvais temps qui arrive où même les animaux vont se chercher. Eux vont se poser la question, mais qu'est-ce qu'il ne veut pas, qu'est-ce qu'il y a? Regardez encore ça. Et c'est en ce moment-là, tous les hommes seront dans la confusion. Mais quand une lumière va apparaître là dans le ciel, puisque c'est la seule lumière qui va éclairer les gens, tous les gens du monde seront obligés de se diriger vers ce lieu-là. De toute façon, ça fait plusieurs jours qu'on ne voit pas le jour, on ne voit pas le soleil, à cause de la lune qui est devenue toute rouge. Et regardez une lumière qui apparaît là. Ils se disent que peut-être que c'est le soleil. Ça, c'est une lueur d'espoir. Mais c'est tout sauf ça. Il y aura des choses terribles. On nous dit que les gens vont être enlevés. On nous dit que ceux qui sont morts
vont partir, comme vous les voyez, ils vont disparaître, ils vont tout simplement partir. Ah, où vont-ils partir? Où vont-ils s'en aller? Regardez comment c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Et comme vous pouvez le voir, ces gens-là quittent la terre en direction des anges. Où on voit une personne qui est en train de qui va les accueillir. Et cette personne-là est entourée d'anges, d'anges qui ont des trompettes. Ça veut dire que quand ces anges-là sonnent de la trompette, ce qui se passe, c'est qu'il y a des mouvements qui se produisent au fur et à mesure. Et les âmes de ceux qui sont décédés, qui sont mis dans les tombes, sortent de leur tombe pour venir, pour monter vers le ciel. Et c'est là où on parle de disparition. Et on comprend que c'est l'enlèvement. L'enlèvement, là où les vraies personnes, les justes, les vrais chrétiens seront enlevés. Toutes ces choses, les gens essaient de nous les représenter sur d'une manière ou d'une autre, juste pour nous préparer à cela. Regardez même ici. On voit même encore un homme puissant qui vient sous la nuée avec la lumière. Vous voyez cette lumière-là? Déjà, on nous dit que la lune sera rouge comme ça, comme du sang. Et le soleil sera trop noir. Il n'y aura pratiquement pas de lumière. La seule lumière qui sera sans doute, qui va sans doute éclairer cet état-là, c'est la lumière du Christ, de Jésus-Christ qui arrive. Est-ce que c'est de la plaque? Mais regardez vous-même. On voit des anges qui sont en train de sonner de la trompette. Ce sont des événements terribles quand même. Hein? Avez-vous même pensé à ça? La plupart du temps, les gens ne se préparent pas à de telles choses. Les gens sont là en train de chercher l'argent. Alors que pendant que vous cherchez l'argent, c'est ce jour-là que viendra l'homme au visage caché. Au visage caché par quoi? Au visage caché par la gloire de Dieu. Vous ne pouvez même pas bien voir son visage. Regardez-le. Voyez-vous quelque chose? Est-ce que vous voyez quelque chose? En ce moment, les gens vont se dire, mais ah, est-ce Jésus? Mais Jésus, on l'a déjà tué. Est-ce que c'est encore lui? La chose devient réelle. Le Jésus qui est parti, le Jésus que les gens ont crucifié, c'était l'agneau. Mais le Jésus qui revient, c'est le lion. Il revient avec une armée très puissante. Même le diable se prépare à son retour. Hein. Le diable peut vous faire croire que le Seigneur ne va pas revenir, tout ce genre d'histoire. Mais ce qui est sûr, c'est que lui, il se prépare en secret avec des démons pour combattre ces anges qui vont venir même avec le Seigneur Jésus-Christ. Ça sera chaud. Hein. Ça sera un jour vraiment très chaud. Très, très chaud, même plus chaud que chaud. Et ces anges-là sont bien armés, hein. Armés d'une trompette terrible. Quand ils sont avec cette trompette, quel que soit l'endroit où tu es, tu sais qu'il y a quelque chose qui se passe. Et le Seigneur Jésus-Christ qui arrive sur la nuée, c'est comme s'il était assis sur la nuée, c'est comme s'il était donné son fauteuil. Et il arrive comme ça. Ah, c'est étonnant quand même. Hein. Comment les gens ont-ils pu imaginer un truc pareil si ça n'était pas vrai? C'est pourquoi ces images ont été bien sélectionnées pour nous amener à vraiment comprendre certaines choses à ce niveau. Et là, on voit des anges qui sont autour du monde. Que font-ils là? Regardez bien. C'est vraiment une image assez incroyable quand même. Regardez bien. Vraiment, moi, ça m'étonne. Ça m'étonne vraiment. Quand je vois des choses, je me dis, mais, qui a pu voir les anges dans les vestiaires ici? Qui a pu voir les anges? Qui nous a dit que les anges ont des ailes? Assurément, c'est dans la parole de Dieu. On nous parle des ailes, des anges et des ailes. Certains qui ont 6 ailes, d'autres 4 ailes, 6 ailes, tout ce genre d'histoire. Oui, parce que c'est même ça. C'est même ça, c'est ce qu'ils ont vu, effectivement, qui amène à dire cela. Et ce qui intéresse même les esprits, même les gens, tout ça, ce sont les écritures. Vous les voyez toujours avec un livre ou bien un manuscrit, comme ce taille-là a le manuscrit à sa main. Et il est là avec les livres et tout, on ne sait pas pourquoi. Et c'est ce qu'il lit là. C'est ce qu'il demande de faire, c'est ce qu'il dit là, c'est ce qui va se passer sur la terre. C'est-à-dire que nous sommes là dans ce monde, on se comprend pas que le monde est grand. Alors le monde est censé être petit devant eux. Ils voient le monde même comme un petit portable. Oui!
Regardez même ça. Waouh. C'est extraordinaire. Regardez cette image encore. Voici les gens qui ont vu des anges, eux mêmes sont même dépassés. Même plus ils étaient surpris. Regardez même leur visage. Même si c'est vous. Même si c'est vous, si vous avez vécu par la tête, c'est votre réaction. Regardez même ça. On nous dit que pendant que vous êtes tranquillement avec dormi, des anges descendent depuis le ciel jusqu'à venir ici. Est-ce qu'ils ne passent pas même par le ciel même qui est positionné même au niveau des grandes eaux. Genre la mer, quand tu vas sur la plage là. Ça m'étonne. Mais regardez ça. C'est vraiment beau, hein. C'est vraiment plus beau que beau. Quand je vois ça, je me dis, vraiment je suis fort. Et nous devons nous préparer à l'essai. Aujourd'hui, les gens s'habillent n'importe comment, les filles s'habillent de façon sexy, avec des pantalons bien serrés, elles se plaquent. Or, on ne peut pas trop parler avec ces gens et choses. Elles ne sont pas au courant, mais elles font comme si elles n'étaient pas au courant. Regardez même ici. On nous dit que tout ce qui est mauvais sera jeté, tout ce qui est mauvais sera jeté dans le feu. Et quand on parle de ce qui est mauvais qui sera jeté dans le feu, ça aussi cet ange mauvais que vous êtes même en train de voir là, c'est le diable, non? Oui, il est censé être le diable. Et regardez ce que cet ange là a dans la main. Il a un truc, comment ça s'appelle ce truc là? Mais c'est comme s'il a pesé, la vie de cette créature. Il a donné du temps pour faire tout ce qu'elle avait envie de faire sur les champs, sur les humains. Mais son heure est venue pour être jeté dans le feu. Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est des images terribles quand même. Hein. Comment les gens peuvent faire de telles choses? Comment les gens peuvent faire ça? Regardez des gens qui sont des anges ou des gens, sans être des humains. Des humains qui sont en train d'aller vers le ciel. De divers endroits, vous pouvez voir que les gens sont en train d'être enlevés. Ça veut dire que ce qui a été dit dans la parole de Dieu, les gens croient, hein, les gens croient fermement à cela. Ah, il faut croire sans avoir vu. Moi, je pense qu'il est possible de croire, au lieu de ne pas croire, d'être surpris à la fin. Tu ne crois pas, c'est là que tu regardes les choses, tu dis, ah, moi, c'est un athée, oh, qu'est-ce qu'il ne voit pas, qu'est-ce qu'il y a? Oh, bon moment. Tu vois les gens disparaître, ils vont dans le ciel, dans tout à voir. C'est la seule des gens qui sont morts, c'est les âmes des gens qui sont de partir comme ça. Qui sont d'être enlevés comme Élie, Moïse et Élie. Regardez même ça. Là, il y a la lumière. Les gens disent, ah, enfin la lumière. Parce qu'au départ, c'était un truc pareil. Il n'y avait pas de lumière, c'était sombre. Donc, ils se disent, ouh, enfin la lumière. Et tout le monde maintenant se dirige vers la lumière. Et on voit une personne. On voit une personne qui est juste là-bas. Et est en train d'accueillir le monde entier dans ses seins. C'est comme cette personne-là même là. Elle était la porte. Regardez. C'est comme si la porte là, c'était cette personne-là elle-même. C'est comme si c'était par elle que l'on passait. Et cette personne a une robe. Et elle est là. C'est la porte d'entrée vers le ciel, vers le paradis. Oh, mais je commence à bien comprendre les mystères de la parole de Dieu. Souvent que tu lis la parole de Dieu, tu te dis, mais ah, ce qu'on explique ici là, si on veut matérialiser cela, même si on veut dessiner ça, à quoi ça va ressembler? Ça risque de ressembler à tout pareil. Mais pendant ce temps-là, quand on parlera de l'enlèvement, les gens disent que il n'y a pas une autre période où le diable va venir pour régner. Ce qu'on appelle l'antéchrist. Il va venir pour faire du mal maintenant aux chrétiens qui seront restés. Regardez ça. Il va même entrer dans l'église. Il va se faire passer pour le roi, pour Dieu lui-même. S'assoit là. Et fait du n'importe quoi maintenant. Pour le moment, il est à côté de vous, il rôde. Il rôde comme un lion, cherchant qui il dévorera. Voilà. C'est ce que je sais de parler. Pendant que ça a été fait travail. L'esprit qui sortait de lui, c'est de lui distraire, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Et comme vous voyez ça, c'est le mauvais esprit là même qui est là. C'est le lion qui rôde, cherchant qui il devrait.
il va se dévorer lui-même après aujourd'hui. Regardez ce qui se passe. Regardez bien. Vous regardez ce qui s'est passé. Les gens sont en train de courir derrière l'argent. Et peut-être que les gens sont en train de courir derrière l'argent. C'est là maintenant, la mort est chez toi. L'enlèvement, le temps est venu. L'être est venu. Qu'est-ce que cette personne doit faire? Qu'est-ce que doit-elle faire? Ah! Mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, nous devons maintenant nous préparer à l'essai. On ne sait jamais. Si tu es dans le péché, c'est le moment d'en sortir et de te venger sur la bonne foi. Et moi, je pense qu'il est plus fort de croire à tout ça. Et c'est vrai, il faut croire. Il faut même croire que ces genres de choses sont réelles. En tout cas, il y aura des signes. Lise la parole de Dieu du Nouveau Testament. Commence par lire le livre de Matthieu, avant, tu vas retenir ce que tu dois savoir. Ça va te dire. Que Dieu bénisse tes frères, que nous sommes heureux pour la prochaine relation. Abonnez-vous sur notre chaîne, que ce soit bon. À M. Zendo, allez sur la page d'accueil, c'est facile. Vérifiez que vous êtes abonné sur notre chaîne, activez la cloche et soyez pas pour la prochaine vidéo pour venir là-bas aussi. Ça va être bien, ça va être vraiment très chic. C'est parti. Waouh, c'est extraordinaire. Mes frères et sœurs, pour ne pas manquer la prochaine vidéo, vous pouvez cliquer sur s'abonner si ce n'est pas quoi faire. Et cliquez sur la cloche pour l'activer. Et si vous cliquez sur j'aime, ça nous ferait énormément plaisir. Et tous ceux qui veulent également faire des dons pour nous soutenir, en dessous de cette vidéo, dans la partie description, se trouvent toutes les informations qu'il vous faut pour faire des dons. Nous vous recommandons de faire des dons via Wesley. Waouh. Merci. We'll be right back.